Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Soxor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le mode univers avec Finn Balor. Très content de vous retrouver pour cet nouvel épisode. On va commencer tout de suite avec Raw, les amis, bien sûr avec la promo, comme je l'ai dit la dernière fois, de Finn Balor. Avant d'attaquer, eh bien peut-être un match d'ailleurs, non pas de match, mais une promo pour Finn Balor. Est-ce qu'on est en rivalité? Pas de rivalité pour l'instant, on va laisser les rivalités s'installer toutes seules, hein. Je pense que c'est mieux que... À moins qu'il n'y ait pas de rivalité, je les ferai, mais pour l'instant, on va les laisser un petit peu s'installer un petit peu comme elles veulent. Allez, commencez le show. Allez, on va commencer la promo avec Finn. C'est vrai qu'en vrai, c'est pas trop parlé au micro par contre. Hein. C'est pas le mec qui a plus de charisme au monde dans l'univers de la WWE. Mais bon, il se débrouille, on va dire. Reading it up. Very well put. And so it goes, straight and to the point. Always about business. Ah, peut-être en train de tourner le dos à l'univers de la WWE, Finn Balor. Hein. Tiens donc, Finn Balor. Voyons donc les matchs donc, de ce hashtag Catch Raw. Samoa Joe a battu Cesaro, Reigns a battu Murphy, Bayley a battu Asuka. Le New Day a battu Enzo et Bekas. Sasha Banks a battu Charlotte. Rousseff a battu Sami Zayn et Seth Rollins a battu Kevin Owens. Du côté désormais de SmackDown, les amis, on y va. Ne vous inquiétez pas, on y va, on simule le show. D'ailleurs, comment on fait pour simuler le show? C'est bien ça? On simule le show? Pourquoi je ne peux pas simuler le show? Pourquoi? Pourquoi on me refuse la simulation du show? Ah d'accord, ok. C'était déjà fait, c'est pour ça. Ziggler a battu le Miz. Naomi a battu Carmella. Les Uso ont battu Heath Slater et Rhino de Beauty and the Beast. La famille Wyatt a battu The Revival. Natalya a battu Becky Lynch. AJ Styles a battu Randy Orton. Et Ambrose a perdu contre John Cena. Voilà du côté eh bien, de ce SmackDown Live. On va ensuite du côté eh bien, de la dernière semaine pour le pay-per-view du côté de Raw. Le pay-per-view du côté de Raw, bien sûr, ça sera Payback avec, eh bien, voilà. Roman Reigns, Sheamus, Rusev, Curtis Axel, une promo de Bayley, un match triple menace entre Bayley, Sasha Banks et Summer Rae, Finn Balor, Darren Young, Asuka, Nia Jax et Jericho, Cesaro et le main event Owens contre Rollins. C'est parti, on a un match en plus, donc autant en profiter. Quand t'as un match, vaut mieux le faire quand même. Nous sommes du côté de Raw, les amis, pour eh bien, un match contre Darren Young avec Finn Balor, le champion des États-Unis. Va donc devoir battre Darren Young, No Days Off. Ça va être un match intéressant à suivre, je pense. Première fois en plus, ever, entre ces deux superstars. Et Simlo, Reigns, Sheamus, victoire de Reigns, victoire de Rusev, victoire de Sasha Banks et le match Finn Balor, Darren Young, The False Count Anywhere. Ça va être un match assez sympa. Du moins, je l'espère. Allez, c'est parti. L'arbitre sonne la cloche. Allez, c'est parti avec les droites pour l'instant de Baylor sur Darren Young. Et peu les entrées. Je les remettrai pour la prochaine fois parce que c'est vrai que j'ai oublié encore de les mettre. Après pour le pay-per-view. À moins que le match dure trop longtemps. Mais sinon, je les remettrai pour le pay-per-view, rassurez-vous. Le coup de pied retourné de Baylor. Et on va essayer de sécher maintenant Darren Young. No Days Off, voilà, comme ça, correctement, sur la troisième corde.
le petit rebond. Et on va profiter de également qu'il se relève. Voilà, on fait dessus là. Allez, relève-toi mon petit. La droite. La tennis. Le coup de pied. Oh, passe dessus la troisième corde. C'était un petit peu tendu. Voilà, ça c'était beau, plutôt pas mal. Et attention. Oh, le mood. Le drop kick. Ça fait plutôt plaisir de voir Baylor au dominant. Ultra domination contre Darren Young en même temps. Ouf. Darren Young est pas très fort, on va dire. C'est pas le meilleur catcheur au monde. Sûr que ça va être assez simple ce soir contre Darren Young. Espérons que du côté de Payback, on ait un adversaire digne de ce nom pour le titre des États-Unis. On aura prendre les chaises dans un match sans disqualification. On aura utilisé les armes que l'on veut. Attention, Darren Young, attention. Attention. Oh ! On va essayer de terminer maintenant Darren Young. Avec la prise de Finn Balor. Voilà. Je vais le traîner également sur la chaise. Poser le coup de grâce. Allez, on va terminer le match tout de suite, je pense. Il y a de grandes chances. Voilà, il s'est explosé sur la chaise en plus, le dos. C'est terminé. On a gagné. 1, 2. Et ouf, dégagement de Darren Young. Voilà, on va la coller ici, c'est bien. Ça me paraît pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Attention. Oh, coup de tampon. Allez, attention à Darren Young qui peut revenir dans le match et abîmer Finn Balor. Ce serait un peu dommage. Aïe, aïe, aïe. C'est en train un petit peu de tourner le dos à l'univers de la WWE avec les paroles qu'on a eues en même temps. Voilà, on n'a pas vraiment de match, donc autant essayer de réveiller un petit peu l'autorité. Voir si on peut pas avoir des rencontres, parce que c'est vrai que alors, si on se les met dans la poche, on va rien avoir. Allez, voilà, le tombé derrière, on sait jamais. 1, 2, ah, le dégagement. Il en veut, hein, Darren Young, il a vraiment envie de performer dans ce match-là. Oh, écrasement de la face. Allez, l'enfourchement. Le tombé, on sait jamais encore une fois. 1, 2, dégagement de Darren Young. Descente du coude. Plutôt bien joué de la part de Finn. Deuxième descente du coude. Un petit peu drogué là, Finn. Hein. Ouf. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ouf. On va en terminer. On va en terminer avec Darren Young. Regardez-moi ça. On en termine tout de suite là. Voilà. Il a pris la tête dans la chaise et on va terminer avec bien la finition de Finn. Le coup de grâce. Oh, c'est contré. Voilà, attention. 1, 2, dégagement. Dégagement de Finn. Allez, voyons voir ce qu'on peut trouver. Non. On va voir si on peut trouver quelque chose sous le ring. Pas remontons sous le ring. Bat. Intéressant. On peut pas regarder là. De côté. Un marteau. Pas intéressant non plus. Non. Ouh. Il va nous exploser la nuque. Attention à Darren Young là qui prépare son finisher. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, c'est une soumission! C'est une soumission! Oh non, on n'est pas assez faible de toute façon. Voilà. Ouh, j'ai eu peur. Oh, la droite! Oh! La grosse pelle et tout belly overhead suplex! Qu'est-ce qu'il fait, Darren Young? Pourquoi il se barre là? Darren Young qui se tire carrément.
Ok, d'accord, il se sauve. Des abords du ring. Oh, fou, je me suis tué. Je me suis suicidé tout seul là. Allez, par là. Allez. Boum. Presse mâchoire. On est vraiment. On est à côté de la rampe là. Allez. On l'écrase, non. Non, 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 non. Oh, le visage de Finn Balor au sol. Ah, même le sol, hein, sur le. Sur le béton. Oh, oh là 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 là. C'est hardcore pour l'instant. Ouf. J'avais dominé cette première partie de match, mais là, Finn Balor. Plutôt Darania en train de dominer Finn Balor. Ouf. Allez, souplesse. Ouf. Peut-être pas dans coulisses tout de suite. Reste au sol. Je préfère que tu restes au sol, honnêtement, je te le dis. Pour toi, pour l'univers. Reste au sol. Oh là là, j'ai envoyé dans l'écran. Oh là 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 là. Oh les bugs. Oh les bugs. Le pass fending est pas correct. Hein. Oh le contre. Non 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 non. Oh le brise-abdo. Oh le brise-abdo. Oh le gros brise-abdo de Darren Young. Au dominé match pour l'instant. Je l'ai contré. Le sling blade. Allez. Oh oh, je sais pas si c'est possible là. Ah, on peut pas faire le coup de grâce ici, c'est dommage. Oh, je viens de me suicider complètement. Non 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 non. Oh. Quel match contre Darren Young, tu aurais cru. Oh là là, ah, il me fait signer. Oh, le sang qui gicle là sur le front de Finn Balor. Oh là 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 là. Ouf. Il va me relever. Je crains le pire. C'est bon, je l'ai contré. Allez, on va essayer de terminer ce match là. Ça va être assez risqué par contre de terminer le match en dehors du ring comme ça. Surtout de cette façon. Ouf. C'est fini. On peut pas se relever de ça. À même le sol, c'est pas possible. De tomber. L'arbitre. L'arbitre, s'il te plaît, vite. 1, 2, 3, yes. Victoire de Finn Balor. Oh, il nous a mis en danger comme. Comment il s'appelle Darren Young. Le gros danger de Darren Young, hein, ce match-là. C'était moins une. Allez, on enchaîne. Asuka, Nia Jax. Victoire de Asuka. Victoire de Cesaro et victoire de Kevin Owens contre Rollins. On passe du côté maintenant de SmackDown, si vous voulez bien, les amis, voir un petit peu ce qui se passe du côté du show bleu. Avoir bien sûr, eh bien, le pay-per-view Payback. Est-ce qu'on aura un match également du côté de Payback? Ça, c'est autre chose. Hein. Vraiment, c'est autre chose. Je ne suis pas sûr à 100% qu'on ait un match du côté de Payback. C'est ce qu'on va voir après. Eh bien, après SmackDown, les amis, qu'on va simuler. Hop. Attendez, il y a des news du côté de SmackDown ou quoi là? Non, pas de news, ok. Simulons. Alors. Natalia a battu Nikki Bella. Naomi a battu Eva Marie. Les Wyatt ont battu The Revival. Rhino et Heath Slater ont perdu contre l'Ascension. Dolph Ziggler a remporté le Fatal 4-Way entre Shinsuke Nakamura, Zack Ryder et Apollo Crews et lui-même. AJ Styles a battu Baron Corbin. Et Cena a battu Dean Ambrose. On passe maintenant du côté de Payback. Le pay-per-view du côté d'euros, les amis. C'est parti, c'est maintenant. Hop! Un match 2 contre 2. Attendez, est-ce qu'il y a des news plutôt? Victor a battu Rhino. Ok, d'accord, on s'en fout. Les New Day mettent leur jeu en titre contre Golden Truth. Les Women's pour le titre. Finn Balor contre Sami Zayn, intéressant. Kurt Axel contre Rusev. Reigns, Sheamus, Rollins met son titre en jeu contre Owens. Et Chris Jericho, Cesaro pour le main event. Tiens donc. Et bien c'est parti. Commençons le show, les amis.
Non, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça, parce que je pourrais pas choisir Finn Balor dans sa tenue. Je vais essayer de modifier tout ça, les amis. Essayer de retourner en arrière, si c'est possible. Je ne sais pas. On verra. Si je peux modifier la tenue de Finn Balor, ça peut être sympa, quand même. Parce que c'est vrai que... Avec la tenue de démon, ça en jette un peu plus, mine de rien. Alors, R-Truth, Goldust contre Xavier Woods et Kofi Kingston. Victoire, eh bien, de New Day. Bayley, Sasha Banks, Asuka, Alicia Fox. C'est Sasha Banks, la championne, et victoire de Sasha Banks qui conserve son titre. Et c'est parti, les amis. Momentum lent entre Sami Zayn et Finn Balor. J'espère qu'ils ont bien sauvegardé ma tenue, hein, parce que j'ai quand même bien mis la tenue de démon, de Finn. Et c'est parti. The following contest is scheduled for one fall, and it is for the United States Championship. Et voici, on accueille maintenant Sami Zayn, les amis. Est-ce qu'on intervient? Chaise en acier, bâton de kendo, boîte de baseball, masse, titre, sans. On n'intervient pas. On laisse faire son entrée à Sami Zayn, tranquillement. Voilà, plutôt plaisir à Sami Zayn à l'intérieur. De faire son entrée déjà. J'aime bien sa musique, en plus elle est très enthousiasmante. Vivement qu'on puisse la vivre du côté de Lyon, les amis. Allez, c'est parti maintenant. Le démon. Finn Balor. Ou pas, parce que j'ai pas l'impression que la tenue sera en mode démon. Après, je peux me tromper. Ah, si, 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 si. Il y a de la fumée. Il y a de la fumée, les amis. C'est pas très bon pour les adversaires quand il y a de la fumée généralement. Ça veut dire que le démon est quelque part par là. Quelque part dans la salle. Quelque part dans l'arène. Le démon Balor. Est-ce que vous avez peur chez vous? Hashtag j'ai peur. Si c'est le cas. Et le voici. Le voici, le voici, le voilà. Avec sa tronçonneuse en mode... Texas, les amis, en mode massacre à la tronçonneuse, Finn Balor. Et voilà, vous l'avez réclamé, le costume de démon de Finn. Eh bien, il est là. Oh là 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 là, oh là. C'est parti, les amis. C'est parti, c'est parti. Le titre est en jeu. On entend encore la tronçonneuse. C'est pas tout à fait normal, espérons qu'elle soit bien éteinte. On pourrait se couper un membre avec ça. Attends encore la tronçonneuse, c'est débile. Ah, c'est bug. Ah, c'est bug. On les aime, ces bugs, hein, les amis. Hein. C'est bug de chez Touquet. Eh oui, les amis, le démon Finn Balor, champion des États-Unis. Social media is a buzz with the outcome of this match, and the WWE universe seems to be torn on a favorite. Ça va être un match exceptionnel entre Sami Zayn et Finn Balor, un dream match comme on aime tant. Ouais, c'est parti. Avant, c'était du côté d'NXT que ça se passait tout ça. Maintenant, c'est du côté de Payback. Dans le main roster de la WWE. Allez, prise de tête déjà par Sami. C'est un contre de Balor. Avec le Slim Blade. Pour bien débuter ce match déjà. On monte à la troisième corde. C'est un match no hold barred. Aucune prise interdite. Boum, le dropkick. Voilà, ça fait plutôt plaisir là. Drop kick qui marque des points. Et Finn Balor qui se fait contrer. Ouf, par un coup de tampon de Sami Zayn. Québécois. Ok, je l'ai dit, hein, y a pas de prise interdite dans ce match-là. Les armes sont légales. Oh, y a pas de disqualification non plus. A-t-on vraiment besoin d'utiliser des armes pour se battre? Je ne pense pas. Oh, le presse-mâchoire. Ouais, bon, elle a roulé sur la batte de baseball là. Ça va faire mal.
On avait massacré Roman Reigns à coup de batte de baseball, hein, du côté d'Alien Hostel, rappelez-vous. Pas Alien Hostel, pardon. Du côté d'Extreme Rules, hein. Alors, je confonds peut-être mon match contre Rollins. Je sais plus. En tout cas, c'est un match un peu foufou. Attention, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, le dos. Oh, le dos. Oh, le dos. Sur, eh bien, cette. Cette massue. Cette batte de baseball, je vais y arriver dans mon commentaire, vous inquiétez pas. Allez, le drop kick. Boom! Vous connaissez sans doute la suite, je pense. Si vous suivez un petit peu la WWE. Il est en position Finn Balor. Boom! Avec le terrible coup de grâce. Boom, voilà, ça pardonne pas. Est-ce que c'est le match le plus rapide de l'histoire en tant que champion pour Finn Balor? Non, c'est contré. C'est contré. On avait très bien débuté le match, rappelez-vous, contre Darren Young. On s'était très vite fait revenir au score après. Ok, d'accord. Il n'est pas content, Sami Zayn, qu'on soit descendu du ring. Oh, à la droite. Attention. Je l'ai contré. Oh, la patate. Allez, va dehors. On va prendre un peu l'air, mon petit. En fait, non. T'étais bien dans le ring. Reste dans le ring. C'est bien de rester dans le ring également. C'est vrai que c'est une bonne chose de rester dans le ring. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Y'a rien du tout. Y'a plus d'armes. Ah, c'est triste. Pas d'armes. Pas bon ça qu'il n'y a pas d'armes sous un ring. Massue, pourquoi pas. Ouf. Ouf. Oh là là, massacre Sami Zayn. Oh, ça va être un match trop rapide. Je rappelle, on a un momentum lent et mode légende. Hein. Mais bon, voilà, ça veut rien dire. Hein. Franchement, on se régale. Enfin, plutôt, c'est même pas on se régale, c'est on se balade même, j'ai envie de dire, malheureusement. Se balade contre Sami Zayn, peut-être pas assez puissant. Sami Zayn manque d'impact. Ce soir, Sami Zayn, malheureusement, manque d'impact pour Sami Zayn. On va terminer ce match-là, les amis. Très court ce match de championnat. Et 1 et 2 et 3, c'est fait. Titre conservé. Pas vraiment eu de match hein, finalement ce soir entre Finn Balor et Sami Zayn. Victoire sans bavure, nette et sans bavure, comme on dit. Est-ce qu'on sera le plus grand champion des États-Unis? C'est possible, mais c'est pas vraiment notre objectif. Hein. Notre objectif est ailleurs. Notre objectif, c'est le titre majeur de la WWE. Le titre universal détenu par Kevin Owens. Alors, on va sortir, on va voir ce qui se passe du côté eh bien de ce show, hein, parce qu'il y a quand même d'autres matchs, malgré cette rapide victoire, je trouve. On va voir qui va remporter les matchs dans les autres rencontres du côté de Payback. Allez, Rusev, Kurt Axel, victoire de Rusev. Roman Reigns, Sheamus, victoire de Roman Reigns. Rollins, Owens, victoire de Kevin Owens. Et Jericho, Cesaro, victoire de Jericho. On revient du côté de Raw, parce que juste après Payback, c'est Raw, les amis. On va regarder un petit peu. S'il y a des news, pourquoi pas, Owens a réussi à conserver le titre, ça on le savait, hein, on l'a vu. Fait plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure. Porte bien, ciao tout le monde, bye bye.